Physiquement, nous, on le voit parce qu'on le sait. Après, pour quelqu'un qui est totalement en dehors de notre famille, je pense pas que ce soit des caractéristiques physiques qui soient vraiment marquées comme ça peut l'être pour certaines autres personnes qui sont atteintes du syndrome. Après, dans la personnalité, c'est quelqu'un qui est très d'une timidité excessive, voire maladive, extrêmement renfermée sur elle-même. Il y a ce manque d'autonomie, en fait, enfin, cette immaturité. Après, aujourd'hui, elle a beaucoup évolué, mais jusqu'à il y a très peu de temps, c'était une femme d'une vingtaine d'années qui a, dans son comportement, on avait l'impression qu'elle en avait 13 ou 15. Après, enfin, nous, dans notre famille, on a de la chance que Clary, c'est pas plus de symptômes graves. Enfin, non, en vrai, c'est pas vrai ce que je dis. Elle a quand même été opérée du dos et elle a des problèmes de genoux, mais elle n'a pas de forme grave de maladie, que ce soit psychiatrique ou physique.